Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 février 2021, 20h44, heure du Québec. Imaginez-vous, on ne peut pas arrêter la science, on le sait ici, j'en parle beaucoup, des avancées et des progrès de la science et des découvertes. Eh bien, c'est crown.com qui nous révèle qu'on a déjà les premiers faux filets de steak imprimés en 3D. Élever les steaks en impression 3D. Une entreprise israélienne a dévoilé mardi le premier steak de faux filet imprimé en 3D en utilisant une culture de tissu animal vivant dans ce qui pourrait être un bond en avant pour la viande de laboratoire une fois qu'elle aura reçu l'approbation réglementaire. Pendant la pandémie de coronavirus, les produits protéiniques alternatifs ont gagné en popularité, incitant presque toutes les multinationales alimentaires à se hâter de mettre leur propre version sur le marché. Souvent, les produits à base de plantes sont des galettes ou des pépites transformées, des aliments de tous les jours plus faciles à produire pour les entreprises qui visent à atténuer les effets climatiques du pire délinquant. Les Américains consomment près de 50 milliards de hamburgers par année, selon le ministère américain de l'Agriculture. La nouvelle technologie de bioimpression 3D d'Aleph Farms, qui utilise des cellules animales vivantes par opposition à des alternatives à base de plantes, permet la mise sur le marché de coupes de muscles entiers de première qualité, élargissant la portée de la viande alternative dans ce qui devrait être un riche domaine en expansion pour les entreprises alimentaires. Une enquête auprès de plus de 1000 adultes américains menée par la société de recherche MRS pour la société agricole ProAgrica, a montré que 39% des consommateurs américains ont envisagé de devenir végétariens ou végétaliens depuis le début de la pandémie. Les problèmes de santé, le changement climatique et le bien-être animal sont des moteurs de cette volonté de changement. Plusieurs autres entreprises sprintent pour capturer ce qui devrait être un appétit robuste pour ce qu'on appelle souvent la viande cultivée. Blue Nalu, basé à Santiago, a annoncé son intention de commercialiser des produits de la mer à base de cellules au second semestre de cette année. Future Meat Technology, basé en Israël, et les sociétés hollandaises Meat Table et Mossa Meat visent à voir cultiver des produits carnés sur le marché d'ici 2022, chacune avec des méthodes exclusives de culture de tissus de viande à partir de biopsies ou poinçons d'animaux vivants ou abattus. Mais l'absence de cadre réglementaire pourrait freiner la course des entreprises au marché. En décembre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est devenu le premier chef d'État au monde à manger de la viande cultivée. Et ce même mois, Singapour est devenu le premier pays au monde à accorder une autorisation réglementaire pour la vente de viande cultivée. On ne sait toujours pas quand d'autres pays suivront. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration n'a pas fixé de date à laquelle elle se prononcera sur la question. Le nouveau processus de fabrication de viande développé par des partenaires de recherche de l'Institut israélien de technologie imprime des cellules vivantes qui sont incubées sur une matrice à base de plantes pour grandir, se différencier et interagir pour obtenir la texture et les qualités d'un vrai steak. Il y a un système similaire au système vasculaire d'un animal qui permet aux cellules de mûrir et aux nutriments de se déplacer à travers des tissus plus épais, ce qui donne un steak avec une forme et une structure similaires au tissu traditionnel des vaches avant et pendant la cuisson. Ce ne sont pas des protéines, c'est un produit complexe et émotionnel, déclare Didier Toubia, le PDG d'Aleph. Il dit que le produit reflète la qualité sensorielle, la texture, la saveur et le persillage gras d'un faux filet produit traditionnel. Wow! L'affirmation de Toubia sera rapidement testée, contrairement aux galettes de hamburger à base de plantes et aux lanières de viande utilisées dans un plat plus complexe. Le faux filet d'Alep sera souvent servi sans ornement et au centre d'une assiette, sans pain, sauce ou autres ingrédients pour le déguiser. Toubia a déclaré que la société serait même en mesure d'adapter le steak à un pays ou à un palais spécifique, par exemple, en le rendant plus ou moins tendre selon le goût du consommateur. Wow, fascinant, je vous laisse ça, vous irez lire la suite de ça, c'est spécial. Je ne sais pas si c'est épeurant ou non, ce sera à vous de juger, mais c'est quelque chose qui est là, ça devient de plus en plus réalité.